Rio, donc bah, avoir quand même un petit bout, une petite partie des JMJ, voir ce que c'était, et en espérant que la prochaine fois il sera possible d'y aller. Bah déjà un peu à se débrouiller tout seul, à quitter le confort familial. Il y a pas mal de rencontres, on rencontre des gens qu'on connaissait pas du tout, on apprend à découvrir des personnes et bah, on a tous la même chose en commun. Donner la possibilité à des jeunes de vivre les JMJ ici, c'était important pour tous ceux qui n'ont pas pu aller évidemment à Rio, pour bah, sentir l'Église aussi, sentir cette jeunesse de l'Église et en même temps des jeunes qui sont, voilà, qui sont ravis d'être là. Super ambiance. On a une ambiance de folie, on rencontre beaucoup de monde et c'est ça le principe des JMJ, c'est voilà. De faire des rencontres et de louer le Seigneur et d'avoir la joie dans le cœur tout le temps. On est good, ici comme good. Good. Comme quand on serait à Rio, c'est certains, par exemple dans le groupe des Morbihanais, certains ne connaissent même pas la foi, hein, savent même pas très bien ce que c'est qu'une messe. Donc c'est une occasion pour eux de découvrir un événement d'église ensemble avec les neuf diocèses de l'Ouest. Et plus, puisque dans notre groupe du Morbihan, on a même accueilli 7 Espagnols. Donc voilà, c'est pour nous. De penser au-delà des frontières et les JMJ, c'est aussi ça. Moi, je suis un peu toute seule, on va dire, jusqu'à ce que bah, début juillet, là où j'ai fait un camp festival. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que bah, j'étais pas vraiment toute seule, en fait, comme. Jeune aujourd'hui à être chrétienne et du coup ben je pense que je vais essayer de vivre un maximum de rassemblements à partir de maintenant quoi. Enfin je trouve ça beau qu'une chose nous rassemble mais en fait on se rend compte qu'il y a plein d'autres choses qu'on partage et du coup bah là en plus on vient de plusieurs départements différents donc c'est pas mal de connaître d'autres personnes. Sinon bah ce matin par exemple on a eu la catéchèse et bah faite par des évêques à 1000 comme ça c'est super. C'est un truc de fou en fait. On n'est pas 10 dans une petite salle. Chanter, on frappe dans nos mains, on danse. Ça permet l'échange aussi. Ouais. Et puis ben, on est dans une tranche d'âge assez resserrée quand même, parce que c'est 15-25 ans en grande partie. Enfin, c'est plus simple pour faire des rencontres, on parle avec des jeunes qui ont à peu près notre âge ou des jeunes qui sont passés par ce qu'on aurait pu vivre. Donc bah, après on fait la fête ensemble, on s'amuse beaucoup. Ouais. Ça ne peut être que porteur pour d'autres parce que, par exemple, cet après-midi, on a été donc dans l'intramuros de Saint-Malo. On nous a invités à aller vers les gens. Donc on avait des petits badges, si on voulait, qu'on pouvait donner à des gens. Et simplement pour parler avec une dame, elle s'est approchée de nous pour nous demander de prier pour elle. Parce que son mari était malade et elle nous a vus et elle a eu envie de nous partager une intention de prière. Donc voilà, pour qu'on puisse la porter à la messe de mort. C'était quelque chose un peu fort pour notre groupe du Morbihan. Elle lui a dit que bien, nous allions prier pour elle. Bah, je crois que oui, tout part de cette rencontre avec le Christ. C'est vrai que faire une vraie rencontre du Christ, eh bien, elle nous envoie plus loin cette rencontre. Déjà vraiment s'ouvrir
servir aux autres. Après, moi, j'avais un projet de faire humanitaire après le lycée. Ah, franchement, j'ai été bien confortée dans mon choix, en fait. Et on a été voir un témoignage sur une famille qui a été aidée à Hawaï. Il y a aussi tous nos frères et tous les autres qui sont nos frères et nos sœurs. On nous a vraiment invités à sortir de nos églises. Et c'est important d'être des témoins joyeux de cette rencontre du Christ. On nous a invités aussi à relire la parole de Dieu, à s'en nourrir et pour aller justement vers, parce qu'on ne peut apporter que ce que l'on reçoit aussi. Déjà raconter ce que j'ai vécu ici avec mes amis, et parce qu'ils ne sont pas forcément toujours cadeaux. Donc c'est important d'être témoin de ce qu'on a vécu. Voilà. Dire qu'on est heureux là-dedans.